Merci Saint-Esprit pour ta présence au nom de Jésus. Et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Papa, nous sommes tous ici au nom de Jésus, afin que seul ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Nous ne sommes pas ici, ô Dieu, par notre propre puissance, ni même par notre propre piété. Mais nous sommes ici, ô Dieu, par la foi au nom de Jésus. Et non seulement par la foi au nom de Jésus, mais par l'amour au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, ô Dieu, viens et prends total contrôle de la science, ô Dieu. Parle à ton peuple, Père. Enseigne à ton peuple. Que ton nom soit glorifié. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis la présence du peuple. Et je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Antoine, tous les serviteurs de Dieu, le pasteur Simon, le pasteur Pierre, le pasteur, tous les hommes de Dieu qui sont arrivés. Je rends grâce à Dieu pour eux. À un moment donné, quand je suis entré, j'ai dit à Dieu, je peux rentrer. Vous savez, on ne parle pas trop avec Dieu. Ce que Dieu voulait faire, il a déjà fait. Donc je pourrais m'arrêter le séminaire. Ça, je vous dis la vérité. Écoutez, juste par votre présence ici, c'est suffisant. Il y a des nuits de prière qui ne servent à rien. Ça, je vous dis la vérité. Mais on se bat beaucoup, ça ne sert à rien. Le Seigneur m'a montré quelque chose pour me donner un signe. Et j'ai vu ça. Il m'a parlé de son serviteur. Et toute la prédication, c'est ce que j'ai vu. Entièrement. Habillé comme il est habillé. Exactement. Et il m'a dit, le même mot qu'il envoie ici, il dit, je suis une génération. Et il a fait partie de la génération. Les hommes de Dieu qu'il a suscité, il en fait partie. On ne cherche pas le miracle parce que nous sommes miracles. Nous-mêmes, nous sommes miracles. Ta vie est miracle. Pourquoi tu comprends ça va à l'hôpital? Tu vas avoir quelqu'un sous les sondes. Lorsque tu vas sortir, tu vas prendre pas de tu vas bouillir le sang. Tu vas prendre ta vie miracle. Ça, je vous dis la vérité. La seule chose que vous devez chercher dans votre vie, c'est l'intimité avec Christ. C'est tout ce que vous devez développer. Lorsque tu as développé ton intimité avec ton Dieu, le reste n'est plus rien. Ça, je vous dis sincèrement. Lorsque le Seigneur me parle du séminaire, il m'explique. Il dit, je vais faire une différenciation entre ceux qui cherchent mon bras et ceux qui cherchent mon cœur. Je vous assure, c'est deux personnes différentes. Si tu veux le cœur de Dieu, va te donner son cœur. Mais si tu veux son bras, non son bras. Le bras de Dieu, c'est je veux être guéri. Il te donne la guérison, tu vas. Mais le cœur de Dieu, c'est autre chose. Le plus complexe. Ça, je vous dis la vérité. Une femme est entrée chez moi, je n'étais pas là. En plein culte. On a beaucoup parlé de moi. On lui a dit, va seulement chez tel pasteur. L'enfant était mourant. Je les ai reçus d'abord la veille sans l'enfant. On m'a dit que l'enfant est hospitalisé, presque mourant. Et puis je leur dis ceci. Juste parce que vous êtes entré chez moi, l'enfant ne va plus mourir. Allez et ramenez-moi l'enfant. Et ils sont partis. And they went. Trouver l'enfant à la maison. And they found out that the child was really well. Puis, ils sont revenus, comme j'ai dit, mais ils came back, started to bring back the child. Ils sont rentrés chez moi quand le pasteur Aloïs prêchait. They came when Pastor Aloïs was preaching. J'étais pas là. I was not there. J'étais sorti. I have gone out. Dès qu'ils sont traversés mon portail, when they crossed my gate, l'enfant qui chauffait, qui brûlait, ils entrent dans l'église, ils s'asseyent. Nom de Dieu. Dès qu'ils s'asseyent, l'enfant qui chauffait le jour pour eux, l'enfant commence à reprendre toutes ses formes. L'enfant qui ne transpirait pas comment transpirer normalement. Quand je vous dis les gens cherchaient le bras de Dieu du cœur, dès qu'ils ont vu ça, ils n'ont pas fait 30 minutes dans la salle, ils sont encore sortis.
Ils sont partis. Ils arrivent aux chaussées. L'enfant tombe encore malade. Je suis monté à 6 heures. Ils entrent encore, pasteur, pasteur. Comment vous étiez ici hier? Vous n'avez pas pris la peine d'attendre qu'on prie même pour l'enfant. Non, quand nous sommes en train de dire comment l'enfant allait mieux. Il dit, mais quand vous allez vous asseoir, viens ici, pourquoi vous restez? Il comprend même pour l'enfant. Pasteur fait des choses. Quand vous l'enfant est rétabli. Un des pasteurs parle vers eux. Il dit, vous avez rencontré le serviteur de Dieu. Ok, il a prié pour l'enfant. L'enfant est guéri. Mais je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui va soutenir cet enfant? Prenez vos vies à Christ. Acceptez Jésus. Marchez selon la parole. Ils disent non. Ils sont catholiques. Frère, je dis toujours aux gens. Je ne suis pas catholique. Je ne suis pas protestant. Je suis chrétien. Amen. Je suis héritier de Dieu. Co-héritier de Christ. Si tu comprends ça, tu n'auras plus de problème. Montre-moi une dénomination sur la terre que Jésus est venu avec. Mais je suis fatigué avec ce mot. Je suis tel. C'est même honteux. C'est honteux. Je suis protestant. Je suis pentecôtiste. Je suis. Ça, tu t'identifies à quoi? C'est une abomination. La seule chose qui n'est pas abomination, c'est Christ. Identifie-toi à Christ. Dis-moi, je suis chrétien. Dis-moi, je suis un fils de Dieu. Dis-moi, je suis l'épouse de Christ. Mais je ne suis pas Jésus. Je suis fatigué avec ce monde. Et le Seigneur, si j'ai dit au peuple de Dieu, que ce n'est pas pour tout le monde. Je ne ferai jamais, oh Dieu, je ne ferai jamais un programme pour avoir les affiches que je vois dehors. Ni de miracle, on ne verra jamais ça avec moi. Ni de puissance, on n'a jamais ça avec moi. C'est-à-dire, viens chercher ton miracle, fais ton miracle. Fatiguer les gens avec ça. Mais chaque jour, on prie pour les mêmes gens comme nous. Les mêmes demandes chaque jour. Chaque jour, il est dans la même église, lui de prier, on prie pour que tu tombes. On te relève, on prie à quoi tu tombes. Demain, le même pasteur prie, tu tombes. C'est que demande qu'on me livre chaque jour. C'est que j'ai le démon. On ne parle plus de Christ aux gens. On commence à parler des hommes aux gens. Mais c'est même quoi ça? Ça, c'est la prostitution spirituelle. On ne regarde plus Jésus. On regarde les hommes. We look at people and men. Tu vois, les gens font des séminaires, ils organisent des programmes. People organize seminars and programs. Ils mettent leurs photos en gros plan. They put their picture in the photo. Avec leurs femmes comme ça. Maybe with their wife. On passe à route, on voit ça. Quelqu'un est là avec sa femme comme ça. With his wife. Et ça, c'est quoi ça? What's that? C'est l'homme qu'on voit, c'est Christ qu'on voit. Man, j'ai dit aux gens, je vais faire ce que Dieu me dit de faire. Si à chaque fois Dieu me donne une seule âme, ça va. Tu peux investir 1 milliard pour sauver une âme. 1 milliard pour sauver une âme. Pas 15 ans, tu dis une âme. Et je dis, si tu as sauvé une âme, ça te va. Ça te va. Au lieu d'avoir 1000 chrétiens, 2000 chrétiens, chrétiens impudiques, chrétiens adultériens, chrétiens, il faut avoir un chrétien sanctifié. Et c'est suffisant. Nul ne verra Dieu s'il n'est pas sanctifié. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Allez dans les yeux, vous voyez, c'est la disorder. Amen. On va lire dans l'Apocalypse. Donc, soyez concentrés sur le tableau si je vais beaucoup travailler sur vous. Je vais beaucoup travailler sur ça. Soyez concentrés. Apocalypse. Revelation 12. Revelation 12. Verset 7 à 9. Verset 7 to 9. Amen. Apocalypse 12. Il est pas là. Ah, Dieu. Revelation 12. Ok, on va lire comme ça. Si vous permettez, nous devons avoir la parole. Let's honor the word by standing. Amen. Amen. Et
guerre dans le ciel. And there was war in heaven. Michel et ses anges combattirent. Michael and his angels fought against the dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. And the dragon fought and his angels. Mais ils ne furent pas les plus forts. And prevailed not. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Seigneur, nous bénissons ta parole. Amen. Toute personne qui est venue au séminaire a déjà reçu ce qui devait recevoir. Je vous assure. Il y aura une forme d'expansion en 2020 qui va entrer dans votre vie. C'est que Dieu a. Le prophète Aloïs a dit là que je vous n'avez pas vu. C'est parce que la Bible dit si vous voyez, vous allez. C'est même Jésus qui ferme les yeux. Parce que tu vois, tu vas te convertir. Je vous dis la vérité. Amen. Amen. Lorsque la Bible dit qu'il y a eu guerre dans le ciel, cela se passait avant que. Ça s'est passé pendant que Dieu a prononcé une parole dans la Genèse. Lorsque Dieu a décidé de former l'homme et de mettre tout son esprit à l'homme. Ça a irrité Lucifer. Et quand Lucifer a senti que lui qui est là au chute du ciel, porteur de lumière, Lucifer s'est et il a commencé à éprouver une forme de jalousie. Et le diable est venu prêcher le mariage. Quand le diable a prêché le mariage à Lucifer, Lucifer s'est dit le temps de Dieu. C'est à ce moment qu'il a eu le temps de Dieu. Juste parce que Dieu a décidé de faire de l'homme son image. Quelque chose que Lucifer ne s'attendait pas. Pardon, vous ne pouvez pas afficher, c'est possible. Ok, afficher Apocalypse, Genèse 2, verset 7 à 9, on va aller très rapidement. Je vais expliquer ce que je vais expliquer. C'est bon. Ok. Maintenant, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Continuez. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que Dieu a planté un jardin en Éden. L'Éden, c'est la présence de Dieu. L'Éden, c'est un environnement particulier, la présence de Dieu. Donc, par la présence de Dieu, il vient planter un jardin. Du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fut poussé du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger. Maintenant, parmi ces arbres, on dit et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Continue. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin de l'Éden pour le cultiver et pour le garder. Oh mon Dieu, il y avait dans le jardin de l'Éden l'arbre de vie. À côté, il y avait, après la chute, il s'est trouvé que quelqu'un s'est trouvé dans le jardin qui avait en lui la présence du bien et du mal. Et tout ce que Dieu a dit à Adam ne partit pas avec celui-ci. Mais il s'est trouvé là-bas. Ce qui fait une chute, c'est parce que Dieu a décidé de former l'homme selon son image. Il se met à couler, il y a guerre dans le ciel. Puis il chute. Tout se trouve donc que dans la présence de Dieu, on trouve l'arbre de la bien, la présence du bien et du mal. Et on trouve l'arbre de vie qui est le Christ. Et on trouve Adam. C'est trois forces en présence. Je suis en train d'aller quelque part. Je vais quelque part, soyez comme ça. Je veux que vous compreniez pourquoi vous pensez tous. Amen. Même pour le prochain verset. The next verse. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du champ. Donc l'homme avait le droit de manger tous les arbres et de communier avec Christ. Face à face.
face. Est-ce que tu comprends un peu? Il pouvait communier avec Christ. La Bible dit, tu mangeras. Tu te nourriras pas, seulement du pain, mais aussi de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. C'est pour ça que Adam pouvait manger le miracle de Dieu. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Adam créé n'avait pas ce Christ en lui. Adam était fait à l'image de Dieu. Mais il y avait un Christ à côté avec une communion. La Bible dit dans Colossiens que le mystère caché de tous les temps. Donc ça veut dire avant qu'Adam ne soit formé. Et de tous les âges, ça veut dire qu'après la chute. Le mystère caché de tous les temps et de tous les âges, c'est le Christ en vous, la voix de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Même Adam là n'avait pas Christ en lui. Mais il avait la grâce de communier avec Christ. Il y avait quelque chose de caché qui était par là de venir. C'était le Christ en nous. Et qui aujourd'hui, on a le Christ en nous. Quelque chose que même les Adam n'ont pas eu la grâce d'avoir. Amen. On va aller très vite. Je vais aller très vite. Alors dans Genèse, à partir du verset 15 à 18. Là, le verset 18. Ça me dit 18. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. J'ai entendu les gens dire que pendant que Adam était très occupé à travailler, Ève était en train de baptiser avec le serpent. Quand Dieu crée Adam, when God created Adam, il n'avait pas encore créé Ève. He had not created Eve. Ève arrive après que Adam ait fait un grand travail. After Adam had done a great work. Après que Adam ait nommé tous les animaux. After Adam had made all the animals. Après que Adam était déjà reposé. After Adam had rested. Mettez le verset suivant. The next verse. Allez un peu rapidement. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux, les champs et tous les oiseaux du ciel. Il est venu vers l'homme pour voir comment il les appellerait afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Continuez. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, les oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme qui le trouva trop énervé semblable à lui. Pendant que Ève posait l'acte qu'il a posé, Adam était en train de regarder. Why Eve did the act she did? Adam was watching. On va retrouver ça dans les Écritures. We're going to find that in the scriptures. Amen. Je suis en train d'aller quelque part. I'm getting somewhere. Don't worry. Genèse 3. Genesis 3. Verset 6. On pouvait partir du verset 6. Genesis 3, verset 6. Ok, la femme dit que l'arbre était mort. Après qu'Adam ait nommé les animaux, Dieu lui a donné une femme. Oui. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. En donna aussi à son mari qui était au nom de Dieu. Auprès d'elle. Adam regardait comment sa femme était en train de manger le fruit. Ils sont, elle me dit, auprès d'elle. C'est pas moi qui dis. Parce que les gens pensent souvent comme si Adam était trop. Il savait parfaitement que Ève va manger ce fruit. La Bible dit Adam est tombé dans son profond sommeil. Et que dans le profond sommeil d'Adam, Dieu a révélé toute la création à Adam. Jusqu'à la fin. Et regardez comment il sort de son sommeil. Lorsqu'il voit Eve, il dit, voici donc, quand il avait déjà vu. Voici donc celle qui est off de mes yeux.
chair pour ma chair. Il avait déjà vu Eve. Et il dit, c'est à cause de cette femme que je vais quitter Dieu. Il dit que c'est à cause de cette femme que je vais quitter mon père et ma mère, je vais m'attacher à elle. Elle et moi, on va former une chair. Donc Adam savait que la femme si que Dieu a créée va manger le fruit, je vais quitter Dieu, je vais m'attacher à elle. Il te concerne beaucoup. Il savait tout ce qui va se passer. Il écoutait de rien. C'était un garçon très révélé. Amen. Le problème c'est que les hommes ne pas de révélation. Adam était très révélé. Adam was so revealed. Continuez un peu, je vous en prie, on va aller là. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent qui c'était l'homme. Et ayant conçu les fruits du fuseau, ils s'enfuient de ses yeux. Ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas Dieu qui s'est habillé devant toi. Au départ, vous et moi, on était nus devant Dieu. Mais c'est vous et moi qui avons coupé les feuilles de figuier pour couvrir notre sexe. Pour dire que tu m'as enlevé les feuilles de figuier sur toi. Ce n'est pas Dieu qui a coupé les feuilles de figuier pour se couvrir. Ce n'est jamais Dieu qui a créé la séparation entre nous et l'homme. C'est l'homme qui est parti seul. Couper les feuilles de figuier, porter sur lui. La seule chose que vous devez rechercher, c'est l'intimité avec Dieu. Tout le monde a cherché de prier la gloire de Dieu. Commence par enlever la gloire de Dieu sur toi. Tu commences par ça. Va dire à Dieu, aide-moi à enlever cette gloire de Dieu. Et quand Dieu arrive, il va dire à l'homme, comme tu as fait ça, je vais encore bien t'habiller. Il est parti encore tuer un animal. Il a séché la peau. Il a encore bien habillé l'homme. Donc il faut que tu enlèves encore la peau de la pièce sur toi. Parce que tu as beaucoup d'habits sur toi. Ce que Dieu cherche, c'est avoir le même rapport qu'il avait avec toi. Et ça s'est brisé. Donc je n'ai jamais hésité pourquoi est-ce que Dieu était fâché quand il a vu le figuier. Vous savez ce que le Seigneur me dit? Il était fâché parce que c'est le même figuier là qui avait. Amen. Il a vu, les gens ont cru que c'est une question de famille, c'était pas la famille. Il était fâché parce qu'il a vu le fruit, il a dit quoi encore? Là, tu as caché la paix là. Je te maudis. Donc, pour dire que c'est que tu dois rechercher le plus. Jésus s'est humilié. Quand il voit le fruit, il dit quoi encore? Pourquoi? Parce que quand il regardait Pierre, il voyait le même fruit sur lui. Quand il regardait Jean à côté de lui, il voyait le même fruit. Sur sa partie intime. Il faut que tu enlèves ton fils. Afin que Dieu ne se fâche plus de toi. Pour que vous puissiez avoir une relation intime. Amen. Continue. Va au verset 15, maman. Allons-y, va au verset 15. Ok, écoutez ce que Dieu va dire. Quand il va constater ça, il va parler à l'homme. Il va parler à la femme. Puis il va venir parler au serpent. L'homme n'est pas, Dieu n'est pas en train de parler ici à un homme. Dieu est en train de parler ici au serpent. Écoutez ce qu'il dit au serpent. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Il n'est pas en train de parler à elle. Il est en train de parler au serpent. Il n'a pas dit je vais mettre une inimitié entre toi et Adam. C'est pas ce qu'il a dit. Je vais mettre une inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Entre la postérité de la femme. Il parlait d'une femme. Et la postérité du serpent. Il dit celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui brisseras le talon. Non, reviens sur le même verset. Reviens sur le même verset. 15. 15. Remonte seulement à 15. Ok. Lorsque je disais ce verset biblique, et je demande au Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire? What are you saying here? La postérité de la femme. The seed of the woman. Mais la personne qui était au jardin était un homme. But the person who was the garden was a man. Et ce que je vais vous dire, si quelqu'un prophétise dans votre vie, vous comprenez ce que c'est une fausse prophétie. If somebody prophesies your life, parce que la prophétie se comprend à l'intimité de Christ. Prophétie is understood. Il faut essayer de comprendre une révélation de Dieu.
Lorsque Dieu parlait au serpent, même le serpent n'a pas compris de quoi il parlait. Le serpent, il son entendement sont de fermé. Il faut qu'il aille faire la guerre à Adam. Il faut qu'il aille faire la guerre à Noé. Il faut qu'il aille faire la guerre à Abraham. Et lorsque Dieu dit à Abraham, je vais te... tu seras une grande nation, il peut fermer le fils de Sarah. 25 ans, Sarah n'accouche pas. Parce qu'il vient de la posséder là-dedans. Quand on lit la Bible, c'est clair, non? La poussée, ça parle des hommes, non? La poussée parle des hommes, non? Tel Abraham a engendré. Ils ont dit jamais Sarah a engendré. Mais tu es en train de parler à une femme. C'est pas Adam qui parlait. Mais Satan a passé sa vie à faire la guerre à Abraham. Remarquez, Abraham était, sa femme était stérile. Isaac, sa femme était stérile. Rachel, sa femme était stérile. Descendez, Anna, stérile. Il fait la guerre à tout ce que Dieu. He was speaking against all the servants of God. Il dit, celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui laisseras ta langue. Jésus est en train de parler d'une race de personnes. Une race de personnes qui va arriver. Ce ne sont pas des hommes, c'est une race inhumaine. Qui va venir au travers d'une femme dont aucun nom n'a pas. Et c'est comme ça que Jésus vient au travers de Marie. Donc, Joseph vient de la voir. Et il dit, c'est une race de personnes qui va écraser ta tête. Et c'est comme ça que dans Luc 19, on dit que tu as reçu le pouvoir d'écraser le serpent. Comment je pense que la personne n'a rien devant lui. Quand tu donnes pas ta vie à Christ, comment tu vas marcher sur le serpent? Comment tu peux marcher? Tu ne peux pas marcher sur le serpent. Mais il y a une seule chose que le pouvoir qu'il a reçu. C'est qu'il va nous écraser le talent. Il va nous laisser le talent. C'est pour ça que beaucoup d'hommes de Dieu meurent prématurément. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout fait, ils ont négligé une partie. Le talent. Là-bas, le serpent est mort. Dieu lui a donné le droit pour qu'il va te montrer le talent. C'est ce que Dieu a dit. Et les églises font ceci. Ils font les lavements des pieds, ils lavent les pieds. C'est pas ça, frère. Jésus est en train de dire, pour qu'il te montre ton talent, porte la chaussure qui donne le sein de l'évangile. Annonce l'évangile. Prêche Jésus. Et le serpent ne va jamais te montrer. Et les gens ne savent pas comment porter les ailes. Comment porter la chaussure. Amen. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que je ne parle pas de l'intimité de Dieu. Il y a l'intimité de Dieu. Il y a l'intimité de Christ. C'est deux personnes différentes. Tout le monde est la créature de Dieu. Mais tout le monde n'est pas l'enfant de Dieu. Paul lui a le présent de tout le Camerounais. Mais Paul lui n'est pas le père de tous les Camerounais. Paul lui a le père de Brenda. Pour être le père, le fils de Dieu, il faut accepter Jésus. Aussi longtemps que tu seras dans les dominations, je suis tel. Et que tu n'as pas donné ta vie à Christ, tu n'es jamais enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Et il va tout faire pour toi, c'est normal. Comme Paul lui a fait tout pour qu'on vous voie les routes. Il dit qu'il n'y a pas de route à Bangomo, il va aller vous trouver. Mais ce qu'il donne à Brenda est différent. Amen. Ce qu'il donne à Brenda, c'est deux choses différentes. Amen. Vas-y un peu jusqu'au verset 23, 24. Vas-y un peu, que j'arrive plus loin. Ok. Remonte au verset 23. Verset 2. Verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Dieu est en train de dire ici pour nous, l'homme qui était auparavant saint comme vous et moi, s'est souillé comme quelqu'un qui était avec nous à l'époque. Et en lui, maintenant, il se trouve aussi le bien et le mal. Il dit, empêchons-le maintenant d'avancer la main et de prendre l'arbre de vie. Il parlait de Christ.
et d'en manger et vivre éternellement. La seule chose qui nous donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Ce n'est que Jésus-Christ. Tout le monde a péché, on a été privé de ça. La gloire de Dieu. On a été privé de Jésus. Amen. Regardez Abraham. Abraham développe une forme d'intimité avec Dieu. Abraham builds a form of intimacy with God. Il y a des gens que Dieu a fait des images avec eux dans l'Ancien Testament. As images in the Old Testament. Qui ont développé une forme d'intimité avec Dieu. Who build a form of intimacy with God. Et qui se retrouvent dans le conseil de Dieu. And they found themselves in the counsel of God at a point where Dieu pousse à s'attaquer à eux. For God to attack them. Va d'abord aller les consulter. You consult them. Ce que je veux vous dire, il y a des hommes sur la terre jusqu'à présent. Donc quand Dieu veut faire quelque chose dans une nation, il part d'abord les voir. Et c'est quand il a vu ces gens et qu'ils ont délibéré au ciel que Dieu envoie un ange parler à un prophète. Ainsi dit l'Éternel. Donc il y a les intimes de Dieu qui sont dans le conseil de Dieu. Avec qui Dieu décide les choses. Et il y a aussi les prophètes. Dieu fait la différence. God makes a difference. Mais tu vois les gens en vue s'accrocher. There are some people who tie themselves to prophets. S'il te plaît, mets-moi ça. Abraham, Genèse. 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 Ok. Ces hommes s'élevaient pour partir. Et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Continuez un peu. Alors l'Éternel dit, tâcherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham devait certainement une nation grande et puissante. Ce que je veux dire, c'est que lorsque tu deviens intimité avec Dieu, à chaque fois que je vais venir à ta famille, Dieu va d'abord venir te voir. Il va dire, est-ce que je peux cacher à mon serviteur lui qui va devenir une nation grande et puissante? Juste l'intimité que tu as avec Dieu. Arrange ça. Il ne peut rien faire sans venir te voir. Il dit, en lui, tu vas bénir toutes les nations de la terre. Parce qu'en un enfant intime dans une famille, est béni toute sa famille. Donc, juste parce que tu as de l'intimité avec Dieu dans ta famille, en toi est béni ta famille. Dieu ne peut pas s'attaquer à toi comme ça là. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder les voies de l'éternel. Il y a des gens dans des familles que Dieu choisit pour garder ses voies. Il faut aussi de l'intimité avec lui. Quand tu réussis à avoir cette intimité avec lui et tu gardes les voies, aucun membre de ta famille ne peut toucher. Qu'est-ce que Dieu cherchait? Dieu voulait sauver l'autre. Mais il y avait un problème. Continue à pouvoir. Continue le verset. Il dit, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils vont agir entièrement sur le bruit. Le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Arrête là. Non, reviens avec moi. Lorsque je lis ce texte, je demande, mais tu es Dieu. Comment tu peux dire que c'est pourquoi tu vas descendre et tu verras si on a, il dit, je verrai si on agit entièrement sur le bruit venu jusqu'à moi. Donc c'est comme si Dieu veut dire qu'il ne savait pas que ce homme est comment faire ça. Mais en fait Dieu savait. Dieu voulait seulement que Abraham intercède pour l'autre. C'est tout ce qu'il voulait. Dieu voulait sauver l'autre. Mais pour sauver l'autre, il faudrait qu'il va intercéder. Il faut un intime avec lui. Ta famille meurt parce que tu n'es pas intime avec Dieu. Les gens meurent ton musée, meurent parce qu'ils ont ton intimité avec Dieu. Donc les choses arrivent à ton musée, tu ne te rends même pas compte. Ne sais pas, il nous meurt ton musée, tu ne te rends même pas compte. Les accusations montent jusqu'à Dieu contre toi, tu n'es même pas au courant. Abraham ici a constaté que Dieu veut qu'il intercède pour lui. Et Abraham commence le bon calcul. Toutes les questions qu'Abraham fait, c'est l'homme qui cherchait. Et Dieu va lui dire, ils vont produire les chiffres, produire les chiffres. Exprès, tous les chiffres qu'il produit là, c'est pour tomber sur l'autre. Mais je l'ai dit sinon. Genesis 19. Mais ça, c'est l'intimité avec Dieu. Je l'ai dit. That's intimacy with God. Genesis 19. 19. Là, on va voir verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et l'homme était assis à la porte de Sodome. Quand l'homme les vit, il se leva pour aller au devant d'eux et se prosterna la face contre terre.
Lot a poursu Abraham. Lot failed Abraham. Ton frère t'a déçu. Your brother has failed you. Ton ami t'a déçu. Your brother has disappointed ta you. Femme t'a déçu. Your wife has disappointed you. Quelqu'un t'a déçu dans la vie. Disappointed in life. Mais il faut que tu intercèdes pour la personne. You have to intercede for that person. Il faut que tu aimes la personne. You have to love that person. Lot, après les autres amis d'Abraham, ils se sont séparés. Mais Abraham aimait Lot. Il a continué de persévérer pour lui. L'intercession a fait en sorte que Abraham, Lot qui n'avait aucune révélation, Dieu va ouvrir son esprit. God opens his spirit. Pour voir où il divise deux anges. So that he identifies two angels. Écoutez, parfois on lit la Bible comme ça, on a l'impression que c'est facile. Deux anges viennent devant toi, il faut la grâce pour discerner. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas essayer de passer deux anges. La personne qui a réalisé les Hébreux dit ceci. Ne négligez pas l'hospitalité. Certains gens en ne faisant pas manger les anges. Donc pour dire quoi? Tu peux ne même pas croire que c'est un ange. Mais mange quand même. L'autre savait que c'est un ange. Parce que Abraham a intercédé pour lui. Et Dieu a ouvert son esprit. Pour discerner l'ange. S'il n'y a pas un intime dans ta famille, tu vas mourir. Si tu ne développes pas l'intimité avec Dieu, ta famille va mourir de manière prématurée. Et tu ne vas pas comprendre comment. Tu ne vas pas comprendre comment. Moi, je ne sais même pas que c'est Abraham qui a intercédé pour lui. Parce qu'après, il ne veut pas parler du business. Ça veut dire que ce n'était même pas important. Amen. Dieu sauve l'homme parce qu'il ne veut pas qu'Abraham souffre. Il ne veut pas qu'Abraham soit en paix. C'est ce que je veux te dire. Vous voulez plus d'intimité avec Dieu. Dieu ne va jamais coucher ton père, ta mère, parce qu'il ne veut pas que tu sois en paix. À chaque fois que je te voudrais arriver à ton père, à ta mère, à ton frère, à ta soeur, à ton ministère, Dieu viendra te dire ça. Il faut que tu intercèdes pour la personne. Ézéchiel 22, 30 dit, je cherche un homme qui se tient à la brèche, qui intercède en faveur du pays. Je ne trouve pas. Et comme je ne trouve pas, je suis obligé de détruire. Je suis obligé de frapper. Mais quand Dieu trouve celui qui va intercéder à ta famille, il est détruit. Frère, développer l'intimité avec Dieu. Parfois les gens ne comprennent pas quand je parle souvent. Le Dieu qui m'a appelé ne m'a jamais appelé prophète. Il ne m'a jamais appelé pasteur. Il ne m'a jamais appelé. Le jour qu'il m'a appelé, il m'a donné deux appellations. Il m'appelle son fils. Et après il m'a donné une autre appellation. Et quand j'ai écouté cela, j'ai compris qu'il y a une dimension plus élevée que les prophètes. Il y a plus grand que prophète. Il y a plus grand que apôtre. Il y a plus grand que pasteur. Amen. Mets dans l'ombre, s'il te plaît. Nombre 12. Nombre 12. Nombre 12. Nombre 12. Nombre 12. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Au sujet de la femme éthiopienne, ils avaient pris car ils avaient pris une femme, ils avaient pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Écoutez, parfois tu as l'impression que Dieu te parle. C'est pour ça que pour que je crois, je ne crois pas trop aux visions. La, écoutez. Au commencement était la parole. Je crois à ce que Dieu dit. I believe in what God says. Si je m'amène des tas de visions, les gens me disent souvent parce que j'ai une vision sur toi. Ça n'a ni tête ni queue. La seule question que je me pose, qu'est-ce que Dieu t'a dit dans la vision? Écoutez la suite. Vas-y, continue. Il dit, continue verset 3 s'il te plaît. Oh, Moïse était un homme fort patient. Plus aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron, à Marie, allez-vous voir à la tente d'assignation. Et ils y allaient tous les trois. Continuez. L'Éternel Dieu descendit dans la colonne de nuée. Et il se prit à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez bien les paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. Écoutez, c'est la parole.
Lorsqu'il y aura par nous un projet, c'est par une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Continuez. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle à toute ma maison. La chose que tu veux te plaire, tu le fais avec Dieu, frère. La Bible dit, Moïse était très patient. Sois patient en Christ. La patience, c'est le fruit de Christ. Ça fait, c'est l'une des branches de Christ. Si tu n'as pas ça en toi, on dit le fruit de l'esprit, il y a plusieurs branches. Si tu n'as pas la patience en toi, tu n'as pas Christ. Parce que c'est ça la patience de Christ. On dit que Moïse était fort patient. Amen. Je lui parle bouche à bouche. Je me réveille à lui sans énigme et il voit une présentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Ce que je veux vous dire, c'est que vous une forme d'intimité avec lui. C'est quand même pas le moment de croire Moïse. Ça, je vous dis la vérité. Je n'ai pas vu écrit la Bible que Moïse a eu une vision. Je n'ai pas vu écrit la Bible que Moïse a fait des songes. Mais j'ai vu Moïse parler avec Dieu face à face. C'est à cette dimension que Dieu nous appelle. À parler avec vous face à face. Quand ne vous trompez pas, frère. Lorsque vous refusez de vous intimider avec Dieu, vous comprenez l'œuvre de la croix. Quand tu refuses d'être intime avec Christ, tu comprenez le frère de l'Église. Tu fais la guerre à l'œuvre de la croix. Le voile de l'Église a été déchiré. Le lieu saint et le saint des saints se sont ouverts. Donc là-bas, on a accès direct au Père. Plus par un homme. C'est le partage de tout le monde. C'est pas le partage d'une personne. Je parle de tout le monde. Femme comme homme. Femme comme homme. Petit garçon, grand garçon. Mets tes genoux à terre. Prie. Dieu vient te parler. Nous tous développer l'intimité. La colère de Dieu s'enflamma contre eux et il s'en alla. Lorsque quelqu'un parle contre un intime, il y a déjà des personnes sur la terre qui n'engagent pas une conversation sur son nom. Même dans ta chambre. N'engage pas. Tu engages ça. Tu t'attends ta vie. On trouve même des hommes de Dieu qui se tiennent du haut de la chair, qui ne m'a pas contre un homme de Dieu. Tu connais tes relations avec Dieu. Quand tu te mets à parler contre lui, contre son ministère, contre son affaire, tu connais qui a tes relations avec Dieu. J'ai prié pour les hommes de Dieu. Ils sont gentils parce qu'ils ont parlé contre un homme de Dieu. Il arrive à la maison, je lui dis, ton problème c'est que tu as parlé mal contre quelqu'un qui avait une alliance très forte avec Dieu. Et je lui dis, voilà ce que je veux faire. Je vais à la montagne. Et le Seigneur m'a dit, pas de parler. C'était ma peau. Le Seigneur m'a dit, pas de parler. Dis-lui que tout ce qu'il fait à la montagne ne va servir à rien. Comme Michel Carter. Et le Seigneur m'a dit, dis-lui, c'est vraiment de retourner vers telle personne. D'arranger. Il y a des musées qui sont à terre dehors. Est-ce que tu es au Cameroun, tu as parlé contre les musées qui sont au Nigeria? Le Seigneur a montré la vision. Comment un homme de Dieu s'est tenu du haut de la chair? Il a parlé contre un passé qui est quelque part. Donc, quand il est venu, il est venu par ce homme de Dieu là. C'est la parole, on a eu ensemble. La Bible dit la colère de Dieu s'enflamma. Tu ne connais pas des relations que les gens ont avec Christ dehors. Si tu es en train de dire toi, c'est vrai que depuis les gens sont bafoués. Si tu ne t'as pas parlé, tais-toi. Regardez, si vous rencontrez qui que ce soit, plus petit, ce n'est pas une affaire d'homme de Dieu. Même si c'est un enfant, tu ne connais pas la relation qu'il a avec Dieu. Si tu ne t'as rien, tu vas pour lui, tais-toi. Ne parle pas. Ferme ta bouche. Mais si Dieu te parle, parle. Dieu te dit quelque chose, parle. Mais si tu as fait le dessus de Dieu, tais-toi. Ça détruit les ministères. Ça, je vous assure. Ça détruit les carrières. Ça brise l'intimité avec Dieu. Moïse était un homme que Dieu faisait une image à la dimension de l'intimité. Et le fait de parler contre lui, lorsque Dieu causait avec Moïse, il se rappelait de lorsque le jardin avait Adam. Ça faisait longtemps. Il n'a pas parlé avec quelqu'un comme ça. Il était très fier. Parce qu'il causait encore avec quelqu'un face à face. Et il attend que tu parles contre lui. Il fait la différence. S'il y a un prophète, je vais lui parler par une vision. Observez les prophètes dehors. Tu as des visions. Tu donnes pas un appel. J'ai eu tes visions. Il dit, il savait dire quoi. Il n'est pas compris. Et les gens parlent trop vite.
Tu as eu une vision, va prier. Où Dieu t'explique la vision. Le seul prophète que j'ai aimé dans la Bible, c'est Daniel. Quand il recevait une vision, il ne parlait pas. La Bible dit qu'il ne pas prier. Il demande à Dieu, Seigneur, explique-moi la vision. Et Dieu t'explique la vision. Et après, il parle. Mais de nos jours, quelqu'un se dort, il a une pétition. J'ai une vision sur toi, gars. Tu as compris la vision. Il y a des visions que Dieu montre. Qui sont que l'explication c'est l'inverse. Il faut la sagesse pour comprendre. Tu t'as dit, tu vas mal interpréter. Et quand tu interprètes mal, ce n'est pas Dieu qui a parlé. C'est le serpent qui a parlé. Amen. Je vous ai parlé de l'intimité d'Abraham avec Dieu. Je vous ai parlé de l'intimité de Moïse avec Dieu. Mais les autres 32, s'il te plaît. Les autres 32. Vous allez voir l'importance. Le peuple va pécher. Le peuple va pécher. Les people aussi. Ils vont fabriquer un veau d'or. They will make a golden calf. Les autres 32, verset 30. Exodus 32, 30. La Bible dit, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Écoutez, s'il est possible de bâtir des âmes qui vont développer une intimité avec Dieu, que les gens se concentrent sur ça, ça va sauver des vies. Ça, je vous assure. Si le Cameroun peine longtemps, c'est parce que le corps de Christ est divisé. Les pasteurs, l'autre si je suis plus grand que celui-ci. C'est mon assemblée qui est plus grande que l'assemblée-ci. Des combats qui ne servent à rien. Alors que si tous s'accordaient pour briser Satan, le Satan, le Cameroun serait sorti de sa souffrance. Regardez comment on tue en au nord-ouest. Allez en Libye, vous voyez comment on a tué nos frères. Go to Libya and see the kill our brothers. Allez, essayez un peu. Try. L'autre jour, c'est mon frère Louis qui nous parlait d'un jeune garçon à Douala qui faisait partie des rescapés de Libye. Who escaped from Libya? Et le gars expliquait ce par quoi il est passé. And the boy was explaining what he went through. Ça faisait très mal. Painful. Mais la chose qui m'a le plus fait mal, but what really pains me, c'est que Dieu n'a pas utilisé un pasteur. Is that God not used a pastor? Dieu n'a pas utilisé un prophète. God not used a prophet. C'est-à-dire de ces grandes assemblées qui sont trop fortes dehors. Mais Dieu a utilisé de petits étoffes. God went and used small étoffes. Mais parce qu'ils sont trop forts. Pastors who are powerful. Qu'est-ce qui les a empêchés de déployer un avion comme ils sont trop forts là? Je vous accorder, fais une congrégation de pasteurs, amour du Christ, mettons l'argent, allons louer les avions, partons chercher nos frères à l'île. Mais le petit écho va déployer l'avion. Il arrive à l'île, il porte les enfants de Dieu, il va laisser au Gabon, il envoie l'avion, il porte les enfants de Dieu, il va laisser aller au Gabon, il envoie l'avion, il porte, puis Dieu tout fait. Aucun homme de Dieu n'a fait ça. Aucun chrétien n'a fait ça. Il arrive au Gabon, quand il descend, il dit toi viens, 1 million c'est, 1 million c'est, 1 million c'est, 1 million c'est, va reprendre ta vie. Il a donné vie à quelqu'un. Pourquoi tu l'as donné vie à qui? Fatiguer les gens. Mais ce qui peut passer, il faut la paix. Si on s'entendait, on ne peut pas les tranquilles. Si le corps de Christ était suivi, chacun dit que non, c'est mon assemblée qui faut suivre. Dieu est venu avec l'église, Dieu est venu avec l'assemblée, Dieu est venu avec sa personne. Dieu est venu avec lui. Il n'est pas venu avec une église, une dénomination. Il n'a pas dit que tu es plus grand, il faut servir. Mais les gens qui disent qu'ils sont plus grands, ils ne servent même pas. Ils ne savent pas. Le corps de Christ souffre dehors. The body of Christ is suffering. Ça fait vraiment mal. It's really painful. Amen. Et Moïse a monté vers Dieu. Moses go to God. Mais le verset 30. Verset
pardonne maintenant leur péché. Yet now, if that will forgive their sin. C'est pas possible. Sinon, efface mon nom dans ton livre que tu as écrit. Et on a même parlé du livre de vie. Un nom pas devant Dieu. Et tu dis ça, mon âme. Sauve ce peuple. Moïse n'est pas entré dans le jugement. Moses is not getting his judgment. Et regarde le corps de Christ. Look at it. Dès que tu as fait une chose, on va parler de lui. Ah, regarde ce qu'il a fait. Ça tue l'intimité avec Dieu. Si ton frère a fait quelque chose, comment appeler lui? Commence à intercéder pour lui. Ça craint pour ta foi. Ça fait Dieu t'agréer encore. Ça fait Dieu t'agréer encore. Efface mon nom, plot my ton name, livre que tu as écrit. The book which thou hast written. Le jour que j'ai donné ma vie à Christ, je ne savais même pas ce que c'était le nom écrit dans le livre de vie. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a appelé, il a pris le livre de vie. Et j'ai vu mon nom écrit en or. Alors, c'était une joie pour moi. It was joy for le me. Même Jésus dit encore, réjouis vous que votre nom est écrit dans le livre de vie. Mais Moïse dit à Dieu, Moses tells God, efface, blot out. Ça c'est un décret d'intercession. That's a decree of intercession. That escapes a man. Regardez un homme. Look at a man. Sacrifie tout. He sacrifices everything. Un peuple qui a fait un vœu d'or. Tout pour Dieu. Mais dit à Dieu, je meurs pour ce peuple. When Moses tells God, I will die for these people. Moïse était un esprit frère. Il va regarder le rocher. Look at the rock. Et Dieu va lui dire Moïse. And God will tell him Dieu Moses. Va lui dire Moïse. God will say Moses. Maintenant tu as grandi. Now you have grown. Parle simplement au rocher. Just speak to the rock. Moïse va frapper le rocher. Moses will strike the rock. C'est quoi je vais vous dire ça. What I will tell you is this. N'écoutez jamais Dieu. Don't listen to God. Ou votre père spirituel. Sur ce mot. On his word. Écoutez Dieu. Listen ou votre to God, père spirituel. C'est qui dit spirituellement. What he says spiritually. Dieu disait à Moïse. God was telling Moses. Écoutez ce que Dieu t'a dit. This is what God was telling. Et c'est là où beaucoup d'assemblées sont tombées. Donc on disait que Moïse a commis une erreur. Moses committed a fault. Il a commis une pure erreur. Moses not commit any fault. Dieu t'a dit à Moïse. God was telling Moses. Tu as tué déjà à 40 ans au désert. You already 40 years in the desert. Si tu veux que ce peuple soit sauvé. If you want these people to be saved. Pour entrer à Canaan. To enter Canaan. Il faut le sang. You need blood. Il faut un sacrifice. Be a sacrifice. Il faut que tu te sacrifies. You have to sacrifice yourself for these people to enter. Pour que tu te sacrifies. For you to sacrifice yourself. Ne parle pas la pierre. Don't speak to the rock. Frappe la pierre. Strike the rock. Et lorsque Moïse a frappé la pierre. La Bible dit que maintenant tourne-toi. Turn. Voici Canaan. This is Canaan. Tu n'entreras pas. You will not enter. Mais the people will enter. Il faut parfois le sang. Sometimes we need blood to enter Canaan. C'est pour ça que Jésus est mort. Il faut que quelqu'un meure pour toi. Somebody to die for que you. Tu entres à Canaan. Canaan est à côté de moi, je ne vois pas. Et si tu n'ouvres pas tes yeux, tu ne verras pas Canaan. Et Dieu va lui dire, quand tu as frappé la pierre, tu as bien fait. Regarde maintenant. Il va te dire, voici Canaan. Mais ton peuple va entrer. Moïse savait qui ne va pas entrer. Moïse savait qui va conduire le peuple. Quand Dieu veut entrer, c'est une chose grave. Tu dois être capable de te nourrir pour ton frère. Moïse est mort pour son peuple. Ne juge pas ton peuple. Sacrifie-toi pour ton peuple. Sacrifie-toi pour ta famille. Sacrifie-toi pour tout ce que tu as. Sacrifice yourself for everything you have. Si vous lisez le texte de Lot, if you read the text of Lot, m'a marqué. Lot, il dit ceci. He said, s'il vous plaît, please, ne touchez pas. Don't touch à ces deux hommes. These two men. Je vous donne mes filles. I give my daughters. C'est pas ça mon Dieu. Ne touchez pas don't à ces deux hommes. These two men. Je vous donne mes filles. I give you my daughters. Mettez Genèse 19, même pour revenir à Genèse 19, verset 4. Genèse 19, verset 4. Même pour Genèse 19, verset 4. Genèse 19, verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison.
pour tous les enfants jusqu'au final. Toute la population était à pour nous continuer. Ils appelaient nous et nous sommes les gens qui sont à côté de toi. C'est lui. Fais-les sortir pour une condition. C'est une population abominable. Moi, je connais un enfant comme ceci. C'est pas ça. Un enfant tout petit, comme ces enfants. Revenez sur le verset 4. C'est juste le verset 4. On dit, mais on dit, de ce nom de comment appeler la maison, depuis les enfants jusqu'au vieillard, c'est tous les enfants abominables. Un enfant qui était déjà homosexuel. Toute la population était devant la maison de l'homme. Parce qu'il voulait coucher avec deux hommes. Écoutez, un petit garçon comme celui-ci qui veut coucher avec un homme. Je vais le verset. Ils appelaient l'homme et lui disent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions. Pour les gens qui se couchent avec eux. C'est une abomination qui se passe à ce moment. Vous écoutez la suite. L'homme sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte de rien qui continue. Et il dit, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Donc l'homme a chez lui deux filles vierges. Il dit, je vous les amènerai prier et vous ferez ce que vous voudrez. L'homme sacrifie deux de ses filles pour ce Dieu. Il y a des choses que pour que Dieu fasse avec toi, tu dois te sacrifier. Things for God to do, you have to sacrifice yourself. Pour que tu acceptes un certain degré après, tu peux faire ça. Yes, but if you go, you have to make a sacrifice. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de ton toit. They came under the shadow of my roof. Voilà un homme qui se sacrifie aussi. That's the man who sacrifices himself. Et Moïse m'a dit vers Dieu, il demande de sacrifier. Moses goes to God and told God to wipe out his name. Du livre de vie. From the book of life. Mets un peu Jean 15, 15, s'il te plaît. Jean 15, 15. Jean 15, 15. S'il te plaît. C'est bon? La Bible dit, je ne vous appelle plus servant. Parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait. Ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé à moi. Il y a une autre dimension. Dans le corps de Christ. Il y a les serviteurs de Dieu. Il y a les amis de Dieu. Si tu n'es pas ami de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas voir de Dieu. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris. Amen. Dans l'ancienne alliance, il y avait les serviteurs de Dieu. Dans la nouvelle alliance, ce sont les fils de Dieu. Amen. Mais dans cette dimension de fils de Dieu, il nous parle aussi de développer une amitié profonde. Friendship with God. A deep friendship with God. Ne soyez pas de ceux-là qui cherchent le bras de Dieu. Don't be of those who are looking for the arm of God. Cherchez le cœur de Dieu. Look for the heart of God. Cherchez pas les miracles. Don't look for miracles. Parce que votre vie est miracle. Because your life is a miracle. Écoutez, les marabouts savent que les gens aiment les miracles. Which doctors know that people love miracles? Et ils vont maintenant quitter leur hut. So they will leave their huts. Et ils vont venir à l'église, ils vont porter le col blanc. Come to church and they'll wear white collars. Ils vont commencer à prêcher la parole. And they'll start preaching the word. Au lieu de s'attarder sur la femme à prêcher, instead of dwelling on the woman, attardez-vous à sortir des enfants de Christ de ces gens-là. Dwell on. Le Seigneur m'a dit, quand j'étais en train de dire à Jude, si c'est pour dire que de sortir les gens du feu de la gêne, sortir les âmes du feu de la gestion. Dans mon esprit, je connais que c'est les âmes qui n'ont pas donné vie à Christ. Je sais, mais je ne parlais pas des gens qui ont donné vie à Christ. Je parlais aux gens qui ont connu, qui sont sous le joug de doctrine. Si vous pensez l'esprit, et pour dire qui vous a enseigné, vous dites d'accord sur les doctrines. Même ces enfants qui pourraient les miracles,
animaux. Si tu peux le faire, sauve-le. Apporte-le la parole de Dieu. Il est sous la chaîne. Viens, apporte la parole de Dieu. Tous ces gens de vous voyez dans les lycées qui courent après les miracles, on vous trompe. Parce que ta vie est miracle. Rien que toi, c'est suffisant. Donc, tu te lèves le matin, tu es miracle. Que tu sois pauvre ou riche, ce n'est pas le réel qui compte, c'est la vérité qui compte. Dieu a dit tu es riche. Dieu a dit tu es roi. Le fait que tu sois roi, ça ne dépend pas du bâtiment. C'est parce que Dieu habite en toi qui fait le roi et roi. Et autour de toi, il y a des anges. Qui te parle parce que tu es roi. Qui gagne bien parce qu'il est roi. Ce n'est pas le bâtiment qui fait le roi président. C'est l'esprit de Pierre aussi qui fait de lui président. Si vous allez bien à Élysée, amenez-le à Genève, le même protocole va s'établir. Donc si on t'enlève de Tchang, on te renvoie à Rome, le même protocole s'établit au même endroit. Tu es roi, tu es roi, tu as dit tu es roi, tu es roi. C'est là que tu crois. Quand on nous fatigue pas avec Dieu, miracle, on prie et l'argent apparaît dans le monde. C'est quoi ça? Un serviteur de Dieu est arrivé. Un serviteur de Dieu est arrivé de l'Afrique du Sud. A man of God came from South Africa. Mon épouse et moi on est allés voir. My wife and I went there. Le prophète dit son nom. I will keep his name. Que Dieu le bénisse. God bless you. Il est arrivé de l'Afrique du Sud. He came from South Africa. Je pars au stade. When I go to the stadium, je m'assois et dis que je vais écouter. I sat and said I will listen. I was your brother. Je vais écouter. L'homme de Dieu a fini une campagne de 3 jours. Il n'a pas parlé de Jésus. The man made a campaign without speaking of Jesus, without saving the soul. Il y a eu la foule. There was a crowd. Mais il disait aujourd'hui on va seulement faire des miracles. He was saying today we'll just do miracles. For 3 days we'll just miracles. Il n'a pas prêché Jésus. He's not preached Jesus. La foule qui était là, c'était une occasion pour voir que les âmes soient sauvées. J'ai dit à Dieu, ce genre d'onction, c'est quoi? This type of anointing, what is it? C'est quoi comme ça? What type of anointing is this? Une foule, le palais de l'omnisport était plein. Omnisport was full. Tout genre de personnes. All types of persons. Les gens qui ne croyaient pas en Christ venaient se chercher des miracles. Came for miracles. Et regardez ce qu'il fait. Il dit, je prie que tu aies l'argent dans ton corps. Et devant moi, une femme prend son téléphone, orange-moi, il y a son. Et j'ai posé une question à la fille. Tu as donné ta vie à Christ. Ça me sert à quoi? Voici l'argent qui vient. La foule a été une occasion pour prendre votre téléphone. That crowd was an occasion for them to present Christ. They didn't accept Christ. Ça m'a vraiment fait mal. It really pained me. Je suis rentré de là, j'étais blessé. I left there. Dis, mais c'est pas possible. I was there. Les gens so that they ignore Jesus. Le chemin, la vie. The way, the truth, and life. C'est lui. It's him. L'or et l'argent. Gold and silver belong to him. Les gens ont the people are running after money. Seigneur, it's going to come. Amen. Amen. Regardez ce que tu vas faire. Look at what God will do. On a pris une vitesse. Dans Exode, il va aller. In Exodus, you go. Dieu va lui dire ceci. What will say? Moïse. Moses. Comme ton peuple a fait ça. Si son peuple a done this. Va à Canaan. Go to Canaan. T'envoie à Canaan. I'm sending you to Canaan. Avec un ange. With an angel. Je vais combattre pour toi. I will fight for you. Je vais combattre les Égyptiens. I will combat the Egyptians. The high tides. Mais seulement tu ne vas pas avec moi. But only you not go with me. Je marcherai. I will not walk with you. Mais je vais t'envoyer un angel. But I will send an angel with you. Et je connais tellement les gens ici dehors. And I know so many people out here. Qui sont prêts à accepter un mariage avec l'ange de Dieu. They are ready to accept a marriage with an angel. Ce que je veux te dire, n'entre pas dans un mariage sans Christ. N'engage pas une affaire sans Christ dedans. Refuse le contrat. Si quelqu'un veut te donner un contrat, refuse ça s'il n'y a pas Christ dans l'affaire. Tu auras des problèmes, frère. Si vous voyez les tourments qu'il y a dans les foyers, tous les tourments que vous voyez dans les foyers,
C'est parce que les gens ont fait des mariages. Have made marriages. C'est parce que les gens ont fait des mariages. You have made marriages without Christ. Il y a eu des tourments dans le foyer. Mais lorsque tu as Christ, in homes, you have Christ, le problème n'est pas un problème. Amen. Il dit dans le livre de Jacques, James, la paix qu'il te donne, tu vas tout dérouler. Ça garde ton cœur. Il dit que cette paix la gardera ton cœur. Donc même quand ton mari va t'offenser, tu ne vas pas le sentir. Même quand ta femme va t'offenser, tu ne vas pas le sentir. Parce que tu es entré dans le foyer avec toi. Mais si tu es entré dans le foyer avec toi, assure-toi. If you enter an angel, be sure you will suffer. N'entre pas dans un mariage sans Christ. N'entre pas dans une activité sans Christ. N'entre pas dans rien si Christ n'est pas réuni. Trop de gens ont perdu tellement d'argent. Parce qu'ils ont engagé les choses sans consulter Dieu. Il y a une histoire qui est sortie. Qu'on appelle Mida. Le jour que cette histoire a commencé, le Seigneur m'a dit, voilà un esprit de serpent, un esprit de séduction qui va entrer jusqu'à l'église. Et même les pasteurs vont tomber dans ce piège. J'ai interpellé mon épouse dessus. J'ai dit, arrange-toi à ce que personne de nous ne fasse l'histoire. Parce que c'est un serpent très dangereux qui est entré dans l'église. Qui est entré comme ça dans le pays. J'ai vu des femmes pleurer. J'ai vu des gens perdre leur maison. Ils sont partis mettre leur maison en l'air. À cause d'une affaire qu'ils sont entrés. Sans consulter Christ. Jusqu'à présent, les gens souffrent de ça. People are suffering because of that. Pourquoi? Parce qu'on manque le Saint-Esprit. Parfois, on ne manque pas le Saint-Esprit, mais on ne croit pas avoir le Saint-Esprit. On ne croit pas que l'Esprit de Dieu peut nous dire un certain nombre de choses. Quand on te trompe, on a trompé Dieu. Pourquoi vous savez pas ça? Tel tu es, tel tu es. Et Dieu ne veut pas qu'on te trompe. Il te parle. Et tu ne mets pas ton argent dans l'histoire. Tu mets. En fait, tu es entré dans une affaire avec un ange. Tu n'as pas consulté Dieu. Je vais te dire comment on a fait avec l'ange. I will tell you how you entered an angel. On se couche la nuit. You sleep at night. Et on dit. And you say. Non, pasteur. No, pastor. J'ai oublié que la femme si est ma femme. God has told me that this woman is my wife. Tu as vu dans une vision comment vous mettez la femme. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? And what did God tell you? Et puis tu t'engages pas à t'épouser la fille. And you go and marry that girl. Et après tu te rends compte. The moment after. Si tu es en train de marier avec lui, tu t'as donné une vision. Mais on ne connaît pas la vision. On ne connaît pas la vision. We don't know the angel gave tu as reçu une vision. You receive a vision. On ne connaît pas l'âge qui t'a donné la vision. We don't know the angel gave you the vision. Mais tu es dans un mariage. But you're in marriage. Tu es dans un contrat. You're in a contract. Tu es dans une affaire. You're in business. Aucune révélation. You had no revelation. Et après tu as des problèmes. And after you have problems. Même des gens se retrouvent dans des ministères bizarres. Toujours à cause des visions. Even because of le diable donne les visions. Even devils give vision. Ça c'est l'ange. Ça c'est parti. Ça dit Dieu te dit comme tu veux aller à Cana avec l'ange. Tu t'envoies à Cana avec l'ange. Et l'ange lui donne une vision. Selon écoutez, la majorité des gens sont conduits dans des ministères. Ce n'est pas pour ce que Dieu les a dit. Il suffit que ton esprit a pensé que. It just matters that your spirit has not. Le type de vie est le genre de vie qui me plaît. This type of life is what I like. Un ange va te donner une vision, an angel will give you a vision that will lead you there. Là où on fait de l'impudicité comme on veut. Where they do là où on fait ce qu'on veut. Where they are impudicity. Et ta vie stagne. And they live the way they want and your life is stagnant. Ta vie pleut. And your life is blocked. You don't understand what is happening. And since things are not working, I pray every day.
Mais je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Pourquoi cette situation m'arrive? Pourquoi tu as l'impression que Dieu n'est pas avec toi? Frère, Dieu est avec toi. God is with you, ce n'est pas pour nos œuvres que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu jeûnes trop que tu es avec toi que tu viens tu m'avais Christ. Ce n'est pas parce que tu pries trop que tu es avec toi. C'est l'esprit avec lequel tu prends le jeûne. Si l'esprit avec lequel tu prends ce jeûne est l'esprit de Dieu, ça va t'enchanter la déclaration de Dieu. Mais si tu jeûnes, parce que tu as vu quelqu'un avec une voiture, tu te prends une voiture sur la voiture. Amen. Exodus. Fais-moi partie du verset 16. Les autres encore. Fais-moi partie du verset 16. Les autres encore. On est sans. On va prendre la partie du verset 16. Il dit, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous? Is it not in that So shall we be separated? I and thy people from all the people that are upon the face of the earth. And the Lord said unto Moses, I will do this thing also that thou hast done, for thou hast found grace in my sight, and I know thee by name. Moses marked me here. Si on peut toucher Dieu, mais il ne parlait comme ça. Il dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Beaucoup de monde va s'arrêter. Et tu vas te lever le matin, tu vas mobiliser. Oh Dieu, tu vas parler de mon grâce à tes yeux. Moïse ne va pas ici. Il s'arrête, il dit. Verset 18, il dit. Fais-moi foi ta gloire. Et ça m'a marqué. Et the Lord told me, quand Moïse dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, when Moses says, if I found grace in thy sight, tu vas prendre grâce à tes yeux. Let me find grace in your eyes. The Lord is saying, never stop telling God I love you. Le jour que tu vas arrêter de dire à Dieu, je t'aime, tu vas arrêter de dire à Dieu, tu deviens suffisant. Après, tu connais trop. Mais arrête jamais de méditer la parole. N'arrête jamais de aimer Dieu. Tu mets ton prochain contre toi-même. Et Moïse est sans fait que tu sois continué d'aimer Dieu. Même à la maison avec ton mari, si à ton mari, tu sais que je t'aime, mais je veux encore plus t'aimer. Et tu vas voir comment c'est que ça va créer la maison avec ton mari. C'est que les femmes n'arrivent même pas à dire à leur mari. L'Éternel répondit, chose qui m'a intrigué, je ferai passer devant toi toute ma gloire, toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je fais grâce. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Thou cannot see my face. For there shall no man see me and live. Dieu dit ceci. Je peux te donner le travail. Je peux te donner le mari. Je peux tout faire pour toi. Mais ma gloire, but my glory, ma face, my face, mon esprit, my spirit, je ne peux pas te donner ça. I cannot give you. Est-ce que vous comprenez? Je peux tout faire. Dieu peut tout faire pour toi. Toi qui es sa créature, il te donne tout ce que tu veux. Le travail, il va te donner. Mais il y a quelque chose qui est très petit. Pour l'autre là, je ne peux pas te donner. Et j'ai demandé à Dieu, de quoi s'agit-il? Et le Seigneur m'a dit, il y a quoi? Descend. Je descends dans la lecture. I went down reading. L'Éternel Dieu dit ceci. Au verset 21. Il dit, voici un lieu près de moi. Behold, there is a place by me. Je t'aimerai sur le rocher. And thou shalt stand upon the rock. Je te demande, tu peux prendre les questions. Et le Seigneur me dit, what is it all about? Il y a deux étapes dans le Seigneur. The Lord told me that two stages in the pour Lord. Pour reconnaître Dieu. To recognize God. Il y a God. Deux étapes à franchir. There are two steps to break. Tu dois d'abord identifier le rocher. You have to identify the rock. Qui est Jésus. Which is Jesus. Puis tu dois te tenir sur le rocher. Then you have to stand on that rock. Et bâtir ta vie sur le rocher. And build your life on that rock.
God. Et quand tu as mis ta vie sur le rocher, c'est une étape. Et puis le verset suivant, il dit, quand ma gloire passerait, je te mettrai dans le rocher. Le Seigneur a saisi ceci. Il y a une époque où tu vas bâtir ta vie sur le rocher. Mais sache que aussi longtemps que tu as bâti ta vie sur le rocher, ce n'est pas toi qui as le pouvoir d'entrer dans le rocher. C'est moi qui te ferai entrer dans le rocher. Il était en train de faire une image avec Moïse. Et il lui dit, maintenant que tu es sur le rocher, conduis moi-même, je vais entrer dans le rocher. Et il lui dit, je vais enlever ma main, ça sera que tu le verras du tout. Écoutez, il dit, nous ne pouvons voir des vies, afin qu'on voit du bon vie, donc pour le voir, il faut mourir. Entrer dans le rocher, c'est mourir, frère. Tu vas mourir en toi pour voir plus. Il y a un temps que tu es sur le rocher, il y a un temps que tu vas mourir en toi. Your mission died so that you see him as he is. Dieu faisait une image. And God was showing us an image. Il m'a sorti une image. He will bring us il an image. Comme tu veux goûter à ça, je vais goûter un peu à ce que je vais donner aux gens plus tard. Ok, je te mets dans le rocher. Mais la seule chose, c'est que je peux te voir mon lit. Mais de nos jours, c'est même le but. Mais today is not the part of what we see. We see his face. Amen. C'est la face qu'on voit. Et beaucoup n'ont pas compris ça. Lisons dans Matthieu 13. Vous allez comprendre de quoi je parle. Matthieu 13, verset 17. Matthieu 13, verset 17. Écoutez ce que la parole dit. La parole dit, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont visionné quoi ce que vous voyez. Moïse a souhaité voir la face de Dieu. Il n'a pas vu. Moïse a souhaité goûter à l'esprit de Dieu. Il a goûté le feu. Jésus beaucoup de prophètes ont souhaité voir ce que vous voyez. Ont désiré, mais ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Entendez ce que vous entendez, mais ils n'ont pas entendu. L'esprit de Dieu, c'est quelque chose de très délicat. Jean dit, c'est avec jalousie qu'on servit l'esprit de Dieu qu'on a reçu. Jalousie. Qu'on chérit. That we keep l'esprit de Dieu. The spirit of God that we have received. Et j'étais vraiment étonné par une personne dans la Bible. I was surprised by somebody in the Bible. Qu'on appelle Paul. That was called Paul. C'est terrible. That's terrible. Cet homme avait une telle révélation de la Bible. Que Paul va dire au peuple. Paul will tell the people. Que vous voyez le rocher qui était au désert. You see that rock that was in the desert. Il dit le rocher là. That rock était Christ. Was Christ. Quand tu lis, tu as l'impression que le rocher était taillé. When you read the rock, you think it's stone. Mais Dieu dit, voici un lieu près de moi. This is a place near me. Le commencement, c'est le rocher qui est près de Dieu. The beginning is the rock that is. Et c'est pour toi venir avoir la révélation que le rocher en question était Christ. Amen. Je me suis demandé, comment Paul a fait pour savoir que le rocher avec lequel il s'approuvait, le rocher là, était Christ. Donc ce n'est pas un caillou, ce n'est pas les rochers. C'était un rocher. Écoutez, le jour de la première fois que Moïse a frappé la pierre, l'eau est sortie. La pierre qui n'a pas frappé pour ne pas la même chose. C'était le même rocher qui le suivait au désert. Qui est Christ. Which is Christ. Mais ils étaient là, ils marchaient avec le rocher. Ils ne s'étaient jamais tenus sur le rocher. C'était à l'heure, n'était pas décidé. It was not for them. Qui décidait à ceux qui voulaient venir à Christ. It was this time for those who give their lives to Christ. C'est ça que Christ dit. That's why Christ says, many prophets and righteous men desired that. Mais they didn't see that. La Bible dit. The Bible says, lorsque vous donnez votre vie à Christ, when you give your life to Christ, vous êtes une nouvelle créature. You are a new creature. Les choses anciennes sont passées. All things are passed. Et passé toutes choses sont passées. And now everything has become new. Parfois on a l'impression que sometimes you think that les choses anciennes c'est all things are c'est le péché. C'est la vie qu'on menait. The life we lived before. C'est
Donc, tout ce qu'on faisait de mauvais. Everything that we're doing. Et le Seigneur en fait, c'est passé. When you're not told me, that's les choses anciennes sont passées. All things are passed away. C'est trois dimensions en toi. It is three dimensions in you. En fait, tu deviens une nouvelle créature. You become a new creature. Ton corps. Your body est recréé. Is recreated. Ton âme. Your soul est recréé. Is recreated. Ton esprit. Your spirit est recréé. Is recreated. Le toi avant n'existe plus. Et maintenant, toi, tu deviens une nouvelle personne. Et là, il dit dans le livre de Romains, Jésus est arrivé Jesus came avec une chair semblable. With a flesh similar. C'est la même chair là que tu reçois quand tu vas t'adresser. Is that the same body you receive when you receive Christ? Écoutez, tu n'es plus censé être malade. You are no longer supposed to be sick. Lorsque tu es malade, when you are sick, c'est juste parce que tu n'as pas encore compris. It's simply because you have not understood ta chair là, that your flesh n'est plus la chair d'avant. It's not the same flesh as c'est la chair de Christ. It's avec la flèche qu'il est venu sur la terre. C'est ça qu'il n'était jamais malade. That's why he was never sick. Il n'avait jamais connu la maladie. J'ai lu la Bible. I read the Bible. I've never seen it. Jésus était malade. I never saw Jesus being sick. Il suffit d'être conscient. Just to be conscious. Et il suffit de t'identifier à Christ. Ce qui vient c'est le maladie dehors, c'est parce que l'on s'identifie à l'église. Ce qui vient c'est le maladie dehors. What brings sicknesses outside? C'est parce qu'on s'identifie à l'église. Je suis pentecôtiste. Je suis baptiste. I am Baptist. Les baptistes sont des malades. Baptists are sick. Les pentecôtistes sont malades. Pentecostals are sick. Mais Christ n'est pas malade. But Christ is not sick. Identifie-toi à Christ. When you see Christ, never be sick. Simplement. Simple. Parce que tu es une nouvelle créature. Those are new creation. Les choses anciennes passent. All things are passed. Toutes choses deviennent nouvelles. Everything is now become new. Et il dit ceci. And he says this. La création tout entière soupire. The entire creation is groaning afin de voir le Fils de Dieu to see the sons of God manifested. Donc le Fils de Dieu, the Son of God, doit être révélé. Must be revealed. Donc donner sa vie à Christ. So give your life to Christ, makes you a son of God. Mais révéler c'est une autre chose. But revealed is something else. Le Fils de Dieu, the Son of God, doit être révélé. Must be revealed. Ça veut dire que le Fils de Dieu doit être la dimension du Fils. The Son of God should leave the dimension of the Son la dimension de to the dimension of the Bride. Afin de voir Dieu tel qu'il est. To see God as He is. C'est la création toute entière qui souffre. Mais une chose m'a marqué. C'est que Paul continue. Il dit que ce n'est même pas seulement la création qui souffre. Même nous qui avons reçu le prémisse de l'esprit, nous souffrons aussi. Ça, ça m'a vraiment fait mal. Donc, les enfants de Dieu ne souffrent même plus. Donc, c'est une affaire que c'est un homme de Dieu qui est censé souffrir. Il est souffrir et il est prier. Even the sons of God should grow. Et le pasteur aime ça. And pastors love that. Il faut que tous les gens viennent prier. Everybody should come. Et ça fait devenir grand pasteur. And they make him, that makes him a great pastor. Ah. Amen. Amen. Hey, c'est pas bien. It's not good. C'est pas bien. It's not good. I assure you, it's not good. Et c'est comme ça qu'il y a. And that's how. Lorsque Paul a dit ça. When Paul said la création ce qui m'a marqué, c'est que Jésus aussi a soupiré. Is that Jesus himself groaned? Et quand le Seigneur me dit, même moi je soupire. Je lui dis au Seigneur, comment pour aussi que Jésus a soupiré? Il me renvoie dans Matthieu 16. He sent me to Matthew 16. Écoutez ce qu'il dit. Listen to what he says. The Bible says. Qui dites-vous qui je suis? Who quand Pierre a dit tué le Christ, je suis dit, wow! Donc c'est tellement soupiré. Il dit celui qui l'a chair, ni le sang qui l'a chair. Mais c'est ton père qui parle de la révélation. Il dit que quand tu as reçu ça, le Saint-Esprit, et la révélation est en toi, tu es changé ton nom aujourd'hui. Amen. Et c'est sur le Christ que je bâtis mon église. Juste à cause d'un soupir. Just because of one groaning. La création soupire par exemple. Afin de voir le Christ que je veux faire. Il n'y a rien de plus beau. Que lorsque tu regardes quelqu'un comme ça là, tu te donnes une révélation. Quelque chose qui m'a fait au cœur, pourquoi tu vas parler de Dieu? Parce que tu t'appuies pas à ce que tu vois sur lui. Tu t'appuies sur ce que tu as dit. Jésus ne se fiait pas à Pierre homme. Jésus se fiait à ce que le Christ a dit. Jesus not based on et c'est très bien qu'il est venu à Pierre le maître de la commandement. Après l'avoir venu,
parler. Il n'aura pas dit le bâton de commandement. Mais parce qu'il a dit, c'est mon père qui t'a révélé. Il se fait à ce que le père lui a dit. Il a dit le bâton de commandement. Même si tu as commis n'importe quel péché, ce que tu as dit, il va faire un peu de temps. Rien ne va l'empêcher. Écoutez, Pierre a renié Jésus, le coq a chanté. Mais Pierre va abandonner la foi. Jésus va revenir vers lui. Jésus va lui dire, donne le bâton de commandement. Quel que soit ce que tu as fait, Jésus va maintenant donner ce qu'il vous a donné. C'est suffisant. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin que tu le parles. On ne parle pas Jésus. On ne parle pas Jésus. Tu ne peux pas parler Jésus. Ce qu'il a dit qu'il va faire avec moi, il va faire. Rien ne va l'empêcher. Amen. Nous qui, au visage de l'éveil, contemplons la gloire. Nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Quand tu contemples le visage de Dieu, le visage de l'éveil, contemplons le miroir. Le miroir, c'est la parole. Tu es transformé de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Quand tu deviens esprit, tel Dieu est, tel nous sommes. Simplement. Frère, je veux que vous soupirez être des individus. Je vous en prie. On ne va plus vous tromper n'importe comment. Ils sont dans 1 Jean. Vous allez comprendre de quoi je parle. 1 Jean 3, verset 2. Vous allez voir ce que Jean dit. 1 Jean 3, verset 2. Écoutez ce que Jean dit. Il dit, bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il. Lorsque cela sera manifesté, on va le voir tel qu'il est. Ce sera quand tu seras sur le rocher. That is when you will be on the rock. Ça, le rocher va te purifier. The rock will purify you. Il va t'enlever du rocher. And one time you will be from the rock, and then you see him as he is. Il y a comment être sur le rocher. But there's a way to be on the rock, and there's a way to be in the rock. L'histoire de la Bible, c'est le mariage. The story of the Bible is marriage. Depuis le commencement. From the beginning. Regardez, je vais prendre ça terre, ciel. Lorsque un enfant voit sa femme, voit une femme, when a man sees, il ne part pas directement vers la femme. It does not go directly to the woman. Il va vers son père. He goes to his father. Papa, j'ai trouvé une femme. Father, I've seen a woman. Le père va envoyer quelqu'un rencontrer to meet le père de la fille. The father of c'est pas le fils qui part vers le père de la fille. C'est le père du garçon qui envoie quelqu'un vers le père de la fille. Regardez ce qui se passe à la Bible. Lorsque Abraham, qui est l'image de Dieu, décide que Isaac va se marier, il envoie Eliezer. Et Eliezer va chercher. Lorsque Jésus a vu qu'il était vraiment protégé sa femme, il est allé vers Dieu. Dieu a envoyé Jean-Baptiste. Baptiste est parti pour suivre le chemin. C'était une image avec Élisée. C'est pour ça que Jean-Baptiste va venir vers Jésus à Jésus. Est-ce que vous connaissez Jean-Baptiste? Il va dire, lui vous dit qu'il était prophète. Mais Jésus a fait une différence. Il va dire, plus qu'un prophète, mais un messager. Amen. Il dit, plus qu'un prophète, mais un messager. Donc il y a plus qu'un prophète, mais un messager de Dieu. Et puis il va dire, il est venu préparer son chemin. Et regardez, lorsque celui-là vient ouvrir le chemin. Après le fils vient. Quand le fils vient, il vient te payer à un grand prix. Il vient payer la dette. C'est pour ça que Jésus nous a payé à un grand prix. Il met à la croix, il a payé. Il nous a racheté. On appelle ça le prix de rachat. Parce qu'on appartenait à quelqu'un qui est le père du mensonge. Et Jésus vient, il meurt pour nous à la croix, il nous rachète à un grand prix. Lorsqu'il te rachète, qu'est-ce qu'il fait? Il part te laisser avec un ami. Et l'ami, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Il va et il dit, je t'envoie le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Saint-Esprit fait? Il vient te préparer à être enlevé. Regardez comment ça se passe. Lorsque une fille, on donne une fille. When a woman is en fait, on a racheté le prix. Qu'est-ce
passe. Alors, pour organiser le mariage, pour souvent, c'est les amis de la fille qui arrangent la fille. Est-ce que vous avez observé ça? L'homme qui marie la fille, elle ne marche pas avec les garçons, elle marche avec ses amis. Qui la prête. C'est la raison, c'est pour ça qu'il a beau Saint-Esprit. Pour te préparer afin de t'amener. Il a fait l'image avec Esther. Il y avait un homme que le roi a dessiné qui va donner les mains des toilettes. Afin d'être prêt à épouser, afin d'être prêt à épouser, le roi, c'est ça non? Le roi. L'image là, c'est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se prépare pour l'enlèvement. Et lorsque tu es prêt, pendant tout ce temps, c'est être sur le rocher. Lorsque tu es prêt, le Seigneur vient t'aider. Tu es prêt à le voir tel qu'il est. C'est à ce moment que tu rentres dans le rocher. It's at that moment that you enter into the rock. Amen. Amen. C'est donc pourquoi il faut suivre le rocher. Parce que parfois il y a des questions qu'il faut se poser. Et sachez que le Seigneur est parfois tellement très jaloux. The Lord is so jealous. Que il va dire au. That he will say. À son épouse. He will tell his wife. Comme je t'ai envoyé le Saint-Esprit. As I have sent to the Holy Spirit. Si quelqu'un te dit que Christ est ici. If somebody tells you that Christ is here, don't go. Si quelqu'un te dit que Christ est là-bas, ne pas. If somebody tells you Christ is there, don't go. Parce que Christ est là encore. Because Christ is in you. Après, ce qui tue les gens, c'est qu'ils sont attachés à des lieux où on dit que c'est Christ qui est là-bas. They are tied to places where they say Christ is there. Christ is in you, brothers. Voyez simplement. Just believe. Et vous allez voir le glory of God. Simplement croyez. Simply believe. Amen. Amen. Ok, c'est donc quoi cette église sur le rocher? What is then to stand on the rock? Prenons Matthieu 7, verset. Matthieu 7. Matthieu 7. Je suis en train de terminer. I'm closing. On va retirer la prière. Matthieu 7, verset 22. Matthieu 7. Écoutez ce que Jésus dit. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement. Ça, c'est ce que je dis au nom. Et je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend la parole, ces paroles que je dis, et les met en pratique. Vous voyez que ça va venir. Le diable s'en va. Et les met en pratique. Sera semblable à un homme. Donc, celui qui entend la parole de Dieu, et qui met la parole de Dieu en pratique, est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le rocher. Donc, ça veut dire que c'est simple. Ce qui vit sur le rocher, c'est entendre la parole de Dieu et la met en pratique. Si tu as dit même ton prochain, on parle de ton prochain. Si tu as dit pardonne ton frère, pardonne ton frère. Donc, si tu ne pardonnes pas ton frère, tu n'es pas sur le rocher. C'est ça, entendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Si tu as dit, on aime ta femme, on aime ta femme. Si tu n'aimes pas ta femme, tu n'es pas sur le rocher. Si tu as dit femme, tu n'es pas sur le rocher. Tu n'es pas sur le rocher. Tout ce que tu fais que Dieu n'a pas dit. Quand tu fais le contraire, c'est que tu as dit. Si tu n'aimes pas ton rocher, tu n'es pas sur le rocher. Tu n'es pas sur le rocher. C'est pour ça qu'on comprend tellement les chrétiens. Dans le livre de Jean, le book of John, Jean 5, verset 39. John 5, verset 7. La Bible dit, vous sondez les Écritures parce que vous ne pensez pas avoir amené la vie éternelle. Ce sont elles qui ont le témoignage de Christ. Donc, ce sont les Écritures qui ont le témoignage de Christ. Donc, pour te tenir sur le rocher, tu lis la parole de Dieu. Tu lis les Écritures. Mon père, je vais le conseil, c'est qu'il a dit. Périsse parce que l'Église n'est pas la Bible. Si tu lis la Bible, c'est l'Écriture qui a un témoin de Christ.
Philippe a la prophétie. C'est la prophétie qui l'a témoin de Christ. C'est les écritures qui l'a témoin de Christ. Pour comprendre le Christ, il faut lire la parole. Ça va te permettre de me quitter sur le rocher. It will permit you to stand better on the rock. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il dit, je ne tire pas ma gloire dans les hommes. Amen. Amen. Dieu ne tire pas sa gloire des hommes. God does not take his glory from men. Jésus dit, Jésus attache-toi à la parole de Dieu, tu es aussi dans le monde des hommes. Tu es dans le monde et tu es aussi dans le monde des hommes. On va plus vous tromper des hommes. On trompe les gens parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Évitez, Dieu ne donne personne. Si tu veux lire la Bible, si tu veux lire pas la Bible, si tu veux pas aller lire, pas aller lire, c'est toi qui vas aller en enfer. Moi, je veux seulement te dire à ce que je veux dire. Si tu n'acceptes pas, c'est ton problème. Les gens sont dans l'esprit. Les pasteurs, ils nous trompent, ils font faire ceci à nos filles. Tu as lu la Bible, c'est ton problème. Tu vas te juger en fonction de ce que le pasteur t'a dit. Tu vas te juger en fonction des écritures. En fonction de ce qui est écrit. Quand tu vas dire tel pasteur m'a fait, il va dire une masse dans tel type. Il va dire une masse dans tel. Si tu veux apprendre, quand tu vas dire je ne vais pas dire à l'église, ta vie va se passer. Quand tu restes à la maison, que tu ne vas pas à l'église, quand tu vas te juger, il envoie quelqu'un vers toi, il va te parler encore du corps de Christ, de l'église, il va t'amener à l'église. Il va te parler. Aussi longtemps que tu vas rester à la maison, tu seras jamais rassuré. Tu vas ne penser suicidaire. Mais le jour où tu vas décider de retourner à l'église, écoutez la parole de Dieu. Quand tu vas commencer à prier sur ton rocher, ça va te faire bien. Et tu vas commencer à aller à l'église. Tu vas pouvoir aller à l'église avec Dieu. Tu vas prêcher la parole de Dieu avec Dieu. Tu vas faire tellement de choses avec Dieu. Dieu prophétise, mais sur la base des écritures. Il prophétise, mais sur la base des écritures. Quand je veux prophétiser, c'est sur la base des écritures. Mais quand vous donnez une prophétie, c'est pas sur la base des écritures. Faites de la personne à la terre. Let the person be accursed. Écoutez. Listen. Il y a une chose qui se passe dehors. There's something that's happening outside. Il y a des jeunes prophètes. There are young prophets who tell me this. Dieu m'a dit que celui-ci est ta femme. God told me this is your wife. Et le jour que la personne la chose ne marche pas. And when that day does not work, il va te dire que bon, comme cela ne marche pas, Dieu a maintenant changé. God has changed. Ce n'est pas Dieu. It's not God. Dieu ne change pas. God does not change. Si Dieu a dit c'est ta femme, c'est ta femme. If God has said it's your wife, it's your wife. Dieu ne change pas. God does not change. Il y a maintenant des prophètes qui disent ceci. The other prophets will say, non, ne vous inquiétez pas. Don't worry. Dieu m'a donné une autorisation spéciale. God has given me a special authority. Pour vivre avec ma femme au mariage. To leave my wife. Ce n'est pas Dieu. Out of wedlock, it's not God. Dieu ne fait accession de personne. God. Va coucher avec une femme pour marier. Et tu sois avec une vision que Dieu a dit. Tu vas vous chasser les démons avec ton nom. Tu auras une tombe de guérison. Tu vas chasser les démons. Demain, Dieu va te dire que tu vas chasser. Tu seras étonné. Surprise. Je suis arrivé dans. Lorsque tu m'as appelé, il m'a appelé. Il m'a amené dans le bain. He took me into the court, frère, outer court. J'ai vu des hommes de Dieu. I saw men of God who were on earth. Au bain. At the outer court. Ils étaient même sauvés. They were saved. Ils étaient au bain. But they were in the outer court. Je fais souvent trop de ça. Sometimes I keep those things. Si je reviens aux gens, if I reveal to people, les hommes qui sont en enfer, the men of God were in hell. Ça va vous étonner. You'll be surprised. Si je reviens d'autres, if I reveal to others, qui sont même au ciel mais au bain. Que tu arrives comme ça au paradis, tu le vois. Et il te dit, frère, ne fais pas la même chose que j'ai fait. The same thing that I did. Rentre et fais ce que tu as demandé. Go back and do what God demands of you. Parce que j'ai commis beaucoup de choses. Committed a lot of errors. Dieu m'a pas donné l'autorisation d'entrer dans le lieu saint. God has not given me the authorization to enter the holy place. Frère, brother, tu vas aller au ciel. Ça dépend de où vous serez au ciel. Mais Dieu dit, j'ai livré le pavillon aux nations. God says, I've given the outer courts to the nations. Il y a un jugement contre eux. There's a judgment against them. Je vais demander le jugement, c'est quoi? And I ask God, what's that judgment? C'est là où il m'a livré. Tu te retrouves au pavillon. You find yourself in the outer courts. You are enjoying. But you have a feeling of regret. C'est ce qu'il n'a pas fait sur la terre. C'est ton jugement contre eux. That's your judgment. C'est pas ce qu'il n'a pas fait.
goes through your heart. And that's what they are living in the outer court. If you have to leave that, so you will leave it. Depuis ce jour, since that day, I started saying, I will do what God has asked me to do. Quand je vais te dire, Dieu veut que tu fasses comme ça pour moi. God wants you to do this for me. Quand tu fasses ce que je le fasse pour moi. What I do, I don't do it. God, I've already said it. Et ça, c'est ce que j'ai connu en haut. I know what I saw up there. Mais j'ai écouté les deux noms. Brothers, I've tested both. J'ai écouté la terre. I've tested hell. J'ai écouté le ciel. I've tested heaven of God. Beaucoup de gens posent des armes. Many people do things. Parce qu'ils n'ont pas encore vu la terre. Because I've not seen the glory of God. J'étais un jour dans ma chambre, à voir. La chambre de ma grande sœur. The room of my elder sister, an angel came to me. Appelé. He called me. Première fois. The first time. Parce que Dieu m'a donné un nom. But God has given me a name. Que ce n'est pas entre nous. That's just between both of us. Il a appelé première fois par ce nom. He called the first time by that deuxième name. Deuxième fois par second ce nom. Time by that name. Je n'ai pas compris. I do not understand. La troisième fois, j'entends Lambert. The third time, I heard Lambert. C'est à toi que je parle. It's to you I'm speaking. Quand je me suis tourné. When I turned, I saw a tall man. La même description que Daniel décrit dans le Gabriel. The same description that Daniel said. That Daniel described Gabriel. I saw the same thing standing behind me. And he told me, si tu ne te repens pas, if you don't repent, tu vas mourir. You are going to die. Pendant qu'il me parlait, ce qu'il a fait à moi. Death was entering into me. J'ai vu un homme, and I saw a man higher up in heaven, who said, Gabriel, let him be. Et la vision m'a quitté. Je suis sorti de la vision. I left the vision, man of God. J'avais été baptisé à Boya. I was baptized in Boya. Je me suis dit, peut-être je suis perdu. I told myself, maybe I'm lost. Mais j'étais à Boya, je suis retourné à Boya. I was baptized in Boya. I was traumatized. J'ai vu quelque chose et avec un couvert. I saw something. Je suis parti, je retournais vers mon pasteur. I went back to my pastor. Je me regarde dans les yeux, je me suis dit, je ne peux pas. Je lui ai dit, peut-être m'a dit que j'ai fait. Je me suis dit, what have you done? Je ne voyais pas ce que j'ai fait. Mais il m'a dit, repars-toi rapidement et pèse sur la parole de Dieu. Parce que je veux que tu puisses. Because I want to use you. Et je ne comprenais pas. And I was not understanding. Frère, cette vision m'a traumatisé. That vision traumatized me. Traumatisé. Traumatized me. Si un ange vient te dire aujourd'hui, if an angel comes and tells me today, si tu vas prendre le commun adultère, je vais te tuer. Tu vas prendre le commun adultère. Le point c'est que c'est nous les hommes qui parlons. Ça paraît rien. Si un ange te voit, il te parle, il te dit, essaye encore, fais toi, tu veux. Tu n'as plus jamais commis. C'est parce qu'on ne les voit pas. La parole a dit, arrêtez l'impudicité. Mais comme on ne le voit pas, on dit, ah, le pasteur là, c'est un peu. Pour déranger les gens avec vos histoires. Il y a ce qu'on appelle la sagesse. C'est ce qui te démarche un genre. Bon, bah, la femme dans son ventre, tu vas le poser. If a girl is disturbing you, just get her pregnant and you marry her. Le père, the father of the church is telling you. Can't let me give you a secret. Mets l'enfant dans son ventre. Get her pregnant. Là, quand tu vas mettre l'enfant, when you get her pregnant, the father will no longer disturb you. C'est un conseil, ça. It's a demonic advice. Patiente. Demande à Dieu. Be patient and ask God. God will give you a wife. He will dispose. Écoutez les prophéties en anglais. Si vous courez derrière les prophéties en anglais, ils ne sont pas basés sur les écritures. Il est très probable que vous ratez le ciel. Très probable. Very probable. Quand tu cours derrière les prophéties en anglais, ils sont trop nombreux. Il y a trop nombreux. Dans le livre de Luc 24, in Luke 24, Luke 24. Regardez ce que la parole dit. Look at what the word says. Je vais prendre la partie du verset 13. Montez from verse 13. La Bible dit. The Bible says. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village. And before two of them went that same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem, about 80 followers. Et ils s'entretenaient. And they talked together of all these things which had happened. Pendant qu'il parlait, and it came to pass that while they conversed together and reasoned, Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were golden that they should not know him. Ce que Christ avait toi toute ta vie. Christ with you. Mais si tu ne le vois pas, you don't see him. Christ avec toi partout où tu es. God is mais si tu ne le vois pas, même si tes yeux étaient empêchés de le voir, tes yeux sont
empêcher de voir Christ. Et quand les prophètes vous donnent des yeux, sont empêchés de voir Christ. Lis les Écritures, frère. Read the Scriptures. Là, il me dit, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tous tristes? L'homme de Jérusalem qui ne voit pas ce qui se passe, est-tu le seul qui se dit que ce à Jérusalem ne sache pas ce qui s'est passé? Il y a un seul ici ce jour. Quoi leur dit Jésus? Il leur répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, ils sont en train de parler à Jésus. Mais ils ne reconnaissent pas. Parce qu'il était sous la forme de Christ. Ils n'ont pas reconnu. C'est pour ça qu'il est facile pour toi de te retrouver devant le Christ en Jésus. Juste parce que tes yeux sont fermés. Si Dieu ne souffle pas tes yeux, tu ne verras pas. Si tu ne souffles pas tes yeux, tu ne comprendras jamais la parole de Dieu. Amen. Et la Bible dit, je vais aller au verset pour entrer dans la Bible. Alors Jésus, Jésus l'a dit, oh, homme sans esprit, et dont le cœur est là à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ fasse ces choses et que l'on fasse sa gloire? Et peut-être ce que Jésus dit au verset 27. On dit, il commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concerne. Donc pour connaître Jésus faisant les écritures, Jésus ne va pas expliquer dans toutes les écritures. Jésus est partout dans les écritures. Il est partout dans la Bible. On dit qu'il commençant par leur expliquer dans toutes les écritures ce qui le concerne. Donc pour voir Jésus, il faut le voir dans les écritures. Ce n'est pas dans la prophétie. It's not in prophecy. Ce n'est pas dans les grosses révélations. It's not in great revelations. Prenez votre groupe et lisez. Cherchez Jésus. Vous allez voir Jésus là-bas. Amen. Et lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller loin, plus loin. It as though he would go further. Alors, verset 35, vous ne pouvez pas prendre le temps. La Bible dit, au verset 35, et vous voyez ce que Jésus a fait. Look at what Jesus did. Quand il marchait avec eux. When he was walking with them. Et il me dit, alors il ouvrit leur esprit et ils comprirent. Then open he their understanding and they might understand the scriptures. Jésus nous parle de l'esprit, tu vas pas comprendre. If Jesus does not under open your spirit, you don't understand the scriptures. And you don't identify him. Tu vas pas l'identifier. You will not even identify him. C'est moi. Lorsque le diable va attaquer Jésus, il attaque Jésus sur la parole des Écritures. He attacks Jesus on the basis of the Scriptures. Jésus, fils de Dieu, Jesus, son of God, originel. Original. Nous sommes fils par adoption. We are sons by adoption. Mais quand le diable vient attaquer Jésus, il vient avec une parole. He came with a word. Il est écrit. It is written. Donc il ne vient pas sur la base d'une prophétie. Il vient sur la base des Écritures. Donc c'est une guerre des Écritures. Et Jésus va aussi lui dire, il est aussi écrit. Tout c'est sur la base des Écritures. Quand tu sors des Écritures, frère, tu es perdu. Lisez la Bible, je vous en prie. Les Écritures sont le fondement de la révélation. C'est qui combat ton... Ce qui combat ton intimité avec Dieu, c'est le fait que tu ne dises pas. What fights against your intimacy with God is because you don't read the scriptures. Amen. Amen. Supporter, même si. Support. Même si c'est dur. Even if it's hard. Prenez la Bible. Take the Bible. Demandez à Dieu. Ask God. Si tu as été baptisé au nom de Jésus. You have been baptized in the name of Jesus. Tu as reçu le nom du Saint-Esprit. You have received the gift of the Holy Spirit. Prends ta Bible, dis à Dieu, Seigneur. Take your Bible. Tell the Lord. Je ne connais rien. Lord, I don't know anything. Aide-moi à comprendre. Help me understand the word. Je vous assure d'avoir I assure you, open your spirit. Simplement. Simply. Commencez à te montrer les Écritures. You start showing you the scriptures. Ce ne sera pas ce qui est écrit au-dessus. It's not what is written on top. Ce sera ce qui est écrit en dessous. It's what is written beneath.
Amen. Amen. Et là, tu sais quoi faire. And that will be calm. Et regardez ce qu'il va faire. Look at what he will do. Dans, sur la croix. On the cross. La Bible dit sur la croix. The Bible says on the cross. Il regarde le vinaigre. Il regarde le vinaigre. Et il dit. And he says. J'ai soif. I'm thirsty. Et la Bible dit au psaume 69. Et disons, il m'a fait boire le vinaigre. In Psalm 69. Et la Bible dit dans même Jean 19 que. And in John 19. Pour s'accomplisse. For the scriptures to be accomplished. Il fallait qu'il boive le vinaigre. He had to drink the vinaigre. Ça avait été annoncé. Because it had been announced. Il y a des écritures dans ta vie. Qui sont déjà écrites. Ils doivent s'accomplir. Avant que tu ne retournes au Père. Il faut que tu cherches en toi comment faire pour accomplir ces écritures. Le problème, c'est que tu ne connais pas les écritures qui sont écrites dans ta vie. Et je vous assure, vous allez tous vous retrouver au paradis. Il est fort pour avoir une part au ciel. Mais si tu n'as compris pas les écritures de Dieu, tu ne peux pas entrer dans le sein de sa vie. C'est impossible. It's impossible. Jésus m'a dit, il because faut que je boive le vinaigre. I need to drink the vinaigre. J'ai soif. I'm thirsty. Et on va prendre un peu. On va presser le vinaigre sur ça. On va mettre dans sa bouche. Et il va boire. Et vous dites la Bible dit. Il a dit maintenant tout est accompli. Il faut que tu sois aussi capable de dire. You also have to be able j'ai accompli son soif. I have fulfilled my mission on earth. Il y a une écriture. There's a scripture. Qui va te permettre d'accomplir ta mission sur la terre. C'est une écriture. Mais il faut que tu sois révélé de l'écriture à mission. Mais je vous dis ça parce que moi que vous voyez. Le Seigneur m'a révélé l'écriture de mon dernier souffle. Et tant que cela n'arrive pas, je ne mourrai pas. C'est quand l'écriture va arriver que je vais mourir. Personne ne peut me tuer. Je sais quand. Le Seigneur m'a dit, c'est quand tu as accompli telle chose et que telle chose sera faite dans ta vie que je vais t'enlever. Mais il faut que je ne puisse pas savoir quelle est ma dernière écriture. Quelle est ta dernière écriture? Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Tu ne connais pas. Frère, c'est très dangereux. Regardez encore la notion que Jésus va faire. Lorsque tu perds, je te rends mon esprit. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Simeon. Il va porter Jésus. Jesus, et il va dire, and he will say, tu seras la chute pour beaucoup de personnes. You will be a stumbling block for so many. Et le relèvement pour beaucoup de personnes. And a stepping stone for many. Mais, but, toi-même là, l'enfant, you, this child, lorsqu'on pourra transpercer, when you will be pierced, when your side will be pierced, les cœurs seront dévoilés. Hearts will be exposed. Et sur la croix, qu'est-ce que les géniaux ont fait? What did the jailers do? Ils ont pris la flèche. Spear, ils ont percé la peau de Jésus. La Bible dit que le tonnerre a grondé. Il y a eu obscurité. Et les corps ont été dévoilés. Mais je lui ai dit, assurément, cet homme est le fils de Dieu, frère. Donc Jésus, vous voyez, quand les écritures sont accomplies dans sa vie, quel Jésus est, quel tu es, il faut que les écritures accomplissent dans ta vie. Moi, tu as une histoire avec Dieu. Tu as une consécration avec Dieu. Ce n'est pas avec un homme. Toutes les écritures doivent s'accomplir. Et Jésus m'a dit, quand je vous ai dit que la raison de nous venir au Seigneur n'aurait pas compris, Jésus m'a dit, tout ce qui va venir au Seigneur, les écritures vont s'accomplir. Je bénis le Seigneur pour sa présence. Demain, nous allons prier pour les malades. Tomorrow, quelle que soit votre forme de maladie, venue, ce sera le bras de Dieu. Dieu va vous guérir. Ce n'est pas un homme qui va vous guérir. C'est Dieu qui va vous guérir. C'est Dieu qui va vous restaurer. C'est Dieu qui va tout faire. Et je vous en supplie. Retournez chercher la face de Dieu. Et celui qui enseigne le rocher, entrer dans le rocher, c'est pourri en soi. C'est brisé ton soi. C'est ton soi qui va mourir. Ta sagesse, ton intelligence doit mourir. Tu dois te vider afin que Christ vive en toi. Là, tu vas voir Dieu tel qu'il est. Ne vous inquiétez pas. Vous allez voir Dieu tel qu'il est.
aussi vrai que je serai un Dieu vivant. Vous allez voir Dieu très bien. Cherchez votre Dieu. Ayez soin de votre Dieu. Attachez-vous à lui. Ne vous attachez jamais à l'église à vous faire peur. Vous allez perdre votre âme. Mais en vous attachant à Christ, vous allez retrouver la vie. Au nom de Jésus. Maintenant, nous prions pour les malades. Dimanche, nous allons bénir les gens. Moi, avec la grâce de Dieu, le Seigneur m'a dit qu'il y a un ami. Toute personne que nous avons, je vais bénir dimanche. Verra la gloire de Dieu. Toute personne. Ne vous inquiétez pas. Ce que Dieu a voulu faire, il a déjà fait. Amen. 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 Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Attends un peu, je vous en prie. La force de Dieu est là. La force de Dieu est là. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le pouvoir de Dieu, le pouvoir de Dieu est là. Les anges de Dieu, les anges de Dieu sont là. Les anges de Dieu sont là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La vie de Dieu, la vie de Dieu. Nous sommes devant le toi, Père, devant Jésus. Nous approchons, Père, ton trône de grâce, Père, au travers du sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous commandons à toute domination. Se tient sur votre tête. Se tient sur votre ciel. Nous le paralysons au nom de Jésus. Par le pouvoir que Dieu nous a donné. Nous devons autoriser sur toute domination, sur toute autorité, sur toute principauté, sur tout trône, sur tous les trônes méchants, que se tient sur votre ciel, dans le nom de Jésus. Et nous commandons à ces esprits de tomber au nom de Jésus. Nous écrasons la petite pour les petits efforts, pour se tenir sur ton chemin, dans le nom de Jésus. Nous écrasons la tête de tout scorpion, pour se tenir sur ton chemin, au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, que les quelques situations se brisent au nom de Jésus, afin que tu commences à voir les Écritures, afin que tu commences à comprendre les Écritures, afin que tu commences à comprendre la parole de Dieu, afin que tu puisses développer une intimité avec Dieu. Dans le nom de Jésus, que tu sois le fort et que nous puissions dans ta vie, nous brisons le jour de sa force. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous allons tous les deux tous les dans le nom de Jésus. Par le volonté du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Que cette grâce vous enveloppe. Au nom de Jésus. Recevez cette force dans le nom de Jésus. Recevez cette puissance dans le nom de Jésus. Recevez cette puissance dans le nom de Jésus.
Jésus a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez venu à ce jour. Et c'est avec toi que vous serez mes témoins. Dans le nom de Jésus. C'est pour ça qu'il vient sur vous aujourd'hui. Frère de vous, le témoin de Jésus. Et vous serez étendu jusqu'au centre de la terre. Au nom de Jésus. 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 Qui n'est pas décrit sur vous, soit ôté au nom de Jésus. Aucun vêtement de gloire vienne sur vous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Père, dans le nom de Jésus. Nous bénissons le pasteur Antoine. Au nom de Jésus. Nous bénissons le pasteur Simon. Dans le nom de Jésus. Nous bénissons le pasteur Patrick. Dans le nom de Jésus. Nous bénissons le pasteur Pierre. Dans le nom de Jésus. Nous prions afin que tu agites notre aspect. Au nom de Jésus-Christ. Que nos ressources soient multipliées au nom de Jésus. Et que les âmes soient sauvées. Et qu'ils reçoivent la grâce de l'enseignement de la parole. Que tout ce qui est négatif pour Dieu le peuple. Qu'ils aillent sauver le peuple. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, Dieu pour ton amour. C'est dans le nom de Jésus que nous avons. Parlez en paix, le Seigneur avec vous. Amen. 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 Amen.